Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de la Bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald aux éditions de Noyel. On terminera le Black November avec La femme à droite sur la photo de Valentin Musso paru aux éditions Seuil. Et pour finir, je vous parlerai du second tome de la saga Effacée. Ce second tome, c'est Fracturé. C'est écrit par Terry Terry et c'est publié chez La Martinière J Fiction. Trois livres parce que clairement j'ai attaqué des gros pavés et que je ne les ai pas encore finis. On commence tout de suite avec ce livre-ci qui a beaucoup fait parler de lui il y a quelques années. Je l'ai eu grâce à la bibliothèque SNCF, je l'ai lu en lecture commune avec maman Mick et j'ai été agréablement surprise. J'ai eu peur à un moment que ce soit très mou, que je n'arrive pas à m'attacher au personnage et c'est tout le contraire. Au final, toutes les deux, on l'a lu en 2 semaines et je pense que ce n'est pas un livre qui se dévore. Il faut prendre son temps pour le lire parce qu'en le dévorant, je pense qu'on passe à côté de pas mal de choses. Si vous voulez, moi j'étais heureuse de le reprendre, de prendre un chapitre ou deux par jour. C'était plutôt agréable et j'étais contente de retrouver les personnages. Dans ce livre, nous allons suivre Sarah, qui est une jeune Suédoise qui va faire le voyage de sa vie. En quelque sorte, elle va aller rejoindre une autre personne qui vit aux États-Unis dans un tout petit village avec qui elle correspond depuis quelques années. Elle va partir la rejoindre, sauf que à son arrivée, son amie va être décédée. Donc vous imaginez bien que le début de ce livre est assez glauque. Franchement, j'ai commencé à lire ce livre, je me suis dit mais il est où le sentiment de feel good parce que c'est déprimant. Elle arrive dans ce village, elle parle à personne, tout le monde est en deuil. C'est glauque parce que Sarah, elle se renferme sur les livres, elle ne voit personne, elle ne parle à personne. C'est très spécial. Et au fur et à mesure, Sarah va s'ouvrir, elle va apprendre à connaître les habitants de ce village qui sont tous très particuliers. Hein. Ça, c'est clair que chacun a sa personnalité. Mais moi, j'ai aimé les retrouver, j'ai aimé voir toutes les petites histoires qu'il y avait. Alors c'est vrai que c'est pas un livre plein d'action, mais j'avais le sourire aux lèvres à chaque fois que je reprenais ce livre. Ça se lisait extrêmement bien, c'est tiré par les cheveux, il y a des situations complètement rocambolesques, mais c'était agréable. Le gros bémol, je trouve, c'est cette fin. En cours de livre, on sait qu'on va partir sur quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose qui va clocher, sauf que ce qui cloche, eh ben, c'est pas du tout exploité. C'est laissé aux oubliettes et on nous offre une fin qui tombe à plat, qui ne sert à rien, qui est trop facile. Voilà, c'est dommage. À cause de cette fin, ça m'a gâché un petit peu le plaisir. J'ai terminé le mois de novembre avec ce livre-ci que j'avais acquis très récemment. Et je dois dire que ça a été une excellente lecture. Encore une fois, il ne faut pas s'attendre à avoir énormément d'action dans ce livre. C'est une enquête à l'ancienne. On va suivre David qui est un scénariste pour Hollywood. Il a eu un grand succès et depuis c'est un petit peu compliqué. Il va se replonger dans une enquête qui a eu lieu 40 ans plus tôt. Oui, ça doit être ça. Puisque sa mère, Elisabeth, grande actrice en devenir, va disparaître dans les années 1959 et David n'aura jamais su ce qui s'était passé. Il va se replonger dans cette enquête, rouvrir cette sorte de cold case et on va suivre en parallèle son histoire, son enquête pour découvrir ce qui s'est passé pour sa mère et dans une autre mesure, eh bien l'histoire d'Elisabeth et un petit peu les travers du showbiz dans ces années-là. Bon, le cadre a une nouvelle fois bougé puisque je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Je m'en excuse, ça commence à me gonfler, sérieux. Je vous parlais de ce livre et vous disais que l'ambiance était très particulière, qu'il n'y avait pas énormément d'action puisqu'on est vraiment dans une enquête très classique où David va re-questionner les personnes qui étaient impliquées dans cette disparition, essayer de retracer les événements pour arriver à une conclusion. Voilà,
Sauf que vous doutez bien, en 40 ou 50 ans, des personnes ont disparu, des preuves forcément se sont altérées. C'est pas simple, mais l'enquête était plutôt agréable à suivre. Le style était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. Après, il n'y a pas de grandes révélations, mais l'ambiance était là. J'ai passé un bon moment, même si c'était pas extrêmement, extrêmement dans l'action. Le dernier livre dont je vous parle, c'est le tome 2 de la saga Effacée. J'avais bien aimé le premier tome, même si je trouvais pas ça très original, puisque nous sommes dans une dystopie dans laquelle nous suivons Kayla, qui a subi un effacement. En effet, les jeunes avant 16 ans, s'ils ont commis un acte criminel, sont effacés. On leur efface complètement leurs souvenirs. On les pose dans une nouvelle famille et ils repartent à zéro. Les effacés sont contrôlés par leur niveau qu'ils portent au poignet, qui leur permet de contrôler un petit peu leurs émotions et surtout qui leur permet d'éviter de retomber dans la délinquance et dans la criminalité. Puisque un niveau trop bas, ça signifie la mort. Donc le premier tome était sympa, pas original, et je comprenais pas certaines décisions des personnages. Ce tome 2, ça a été l'hécatombe, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas du tout aimé. Si l'héroïne, je l'aimais bien dans le premier tome, je l'ai détestée dans ce second tome. On dirait qu'elle ne réfléchit pas. Elle découvre petit à petit des souvenirs de son passé, elle commence à savoir qui elle était, sauf que elle ne s'en sert pas de ça. Elle reste obnubilée par un gars, elle fait les quatre volontés de ce gars. Voilà, elle pense avec ses hormones plutôt qu'avec sa tête. Et puis il y a tellement de choses qui vont pas dans ce livre. Il y a des trucs qui sont aberrants, des trucs qui sont incohérents. Elle prend une décision, 2 minutes plus tard, elle change d'avis. Non. Non, je dois vous avouer, je n'ai pas aimé ce second tome. Je pense que je lirai le troisième tome. Oui, je suis un petit peu maso sur les bords. Mais j'aime pas rester sur des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas certaines décisions de l'auteur d'aller vers telle ou telle chose. Alors je me dis que peut-être dans le troisième tome, on m'expliquera tout ça. Peut-être qu'il y a une raison. S'il n'y en a pas, ce sera un flop sur toute la saga. Mais voilà ce que je peux vous dire de ce tome 2. J'ai trouvé que ça tournait beaucoup en rond, qu'on ressassait en fait les événements du tome 1, que ça n'avançait pas vraiment au final. Et voilà, c'était bof, c'était bof bof, plus plus bof bof. Voilà, vous avez mes avis sur ces trois lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous connaissez la saga Effacée et que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.